soit-il divin. Où dirais-tu l'amour du Père ferait tarir les eaux et remplirait la place entière sur ce divin amour. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour. Jesus.
c'est ça, tu le prends comme ça. Il n'y a plus de peine à te passer. Non. Si tu veux sauver, si tu veux sauver, c'est là. Allez, ça vient de l'opérance. Nous allons prendre quelques cantiques. Après, dès que je vous tape là. Nous allons chanter à la page 45, cantique numéro 131. Page 45, cantique numéro 131. Soit.
72. Thank you.
Page 65, cantique 186. Thank you.
les signes se voient sur la terre, dans le ciel et partout. Il est beau comme on a un balou, on a appelé Pédiscanios. Mais qui voit ces signes? N'a pas comment il est beau. C'est lui pour qui les choses ont été destinées. Tout le monde a les yeux, mais ce n'est pas tout le monde qui voit. Tout le monde a des oreilles, mais ce n'est pas tout ce qui est. Alors comprenez que vous êtes vraiment des privilégiés. C'est parmi de ceux-là que le Seigneur a fait grâce d'être participant. Vous allez quand la bateau, nous allons aller mourir debout dans la bassangade. On n'est prêt pas ce temps-là en train. La mort de vos attentes, on n'a pas battu. Il rachetait les temps. Habibos sont battants, car les jours sont mauvais. Vous êtes micro-écolique, c'est combien ma belle? On chante encore l'amour de Dieu. Qui est réellement insondable. Oh, le côté de Dieu, des mais qu'on peut dire intérimaire. Page 26, cantique numéro 60. Thank you.
avait encore debout ce matin. Pour les mamans qui sont des tous à l'âge de et en plus en bonne santé. Père Jésus, nous avons ton colombe. Bien aimé, c'est vraiment par la grâce. Ce n'est pas par nos mérites. Ceux qui sont couchés ce matin sur le lit qui ne veulent pas se lever, on les dépasse par rien. Dieu a témoigné encore son amour envers toi et moi. Il nous a renouvelé ses faveurs encore ce matin. Il a permis que nous soyons là debout et en bonne santé. Après, si tu es là, tu peux te demander de l'eau, tu peux te demander de l'eau. Tu peux te demander de l'eau. Tu peux te demander de l'eau. Merci son Dieu. Mon à Tonda Polo. Et les bons tous nous voient bien. Bon, tout le monde va nous faire une année. Et bien, on se laisse. Seigneur notre Dieu, gloire et honneur de s'en rendre encore ce matin. Pour tout ce que tu es et tu seras toujours pour nous. Vraiment ce matin encore, c'est avec crainte et tremblement que nous approchons de toi. T'apportant toutes nos incapacités. Car nous savons une chose, Seigneur. Toi seul qui peux tout. Que tu puisses nous rendre capables ce matin de pouvoir t'écouter. Et surtout que nous puissions t'écouter comme on doit écouter un vrai disciple. Pardonne encore, Seigneur, tout ce qui a été en nous ou tout ce qui est en nous de faux, Seigneur. Soit nous avons eu dans nos pensées ou dans nos actes quelque chose à faire qui n'a pas plu à ta volonté. Que tu puisses nous pardonner de cela. Pourquoi ce matin encore, et de la parole de tous ensemble, si présent, nous puissions à nouveau donner grâce à tes yeux. Ouvre nos entendements spirituels. Dispose nos corps, nos cœurs et nos âmes. Afin que là que nous allons t'écouter, que nos cœurs puissent réellement brûler au-dedans de nous. Conduis toutes choses en ces lieux, Seigneur. Et cela pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi demandé. Au Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prendre nos vies dans les bénédictions. Éphésiens, chapitre 4,
Capone. Ephésiens chapitre 4. Épaisseur mon Capone. Je lis à partir du verset. Je vous exhorte donc, moi, prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Au verset 7, il est dit, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Au verset 17, il dit, voici donc ce que j'ai dit et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. À cause de l'ignorance qui est en eux. À cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment. Ils se sont livrés au dérèglement. Pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous. Alléluia. Amen. Mais nous. Ce n'est pas ainsi que nous avons appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu. Et si conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ. C'est en lui que vous avez été instruit. À vous dépouiller par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui s'est corrompu par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créant selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. C'est pourquoi renonçons aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns les autres. Et au verset 15, il est dit, prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection. Non comme des insensés, mais comme des sages. Alléluia. Amen. Rachetez les temps, bon, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Et ce matin encore, bien-aimés, si nous sommes là, je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas par notre volonté, et comme nous l'avons entendu vendredi, si nous venons ici, il ne faut pas que ce soit par habitude, parce que Dieu, on ne s'habitue pas. Les choses de Dieu, on ne s'habitue pas. Tous les jours qui nous accordent réellement être un jour nouveau. Si donc aujourd'hui vous entendez donc ma voix, n'agissez pas votre cœur. Alléluia. Il s'agit donc de notre aujourd'hui. Que le Seigneur nous comble encore. Et ce matin, mon frère, ma soeur, qui est venu en ce lieu.
puisse être réellement béni. Et la présidente dans les tombes. Moi, mon souhait est que tous ensemble, pour sortir de ces lieux, que nous soyons tous dans la joie que peut apporter la vérité qui émane de la parole de Dieu. Bien-aimés, nous ne pouvons trouver la joie que dans la parole. Notre joie n'est que pleinement dans la parole. En dehors de la parole, c'est que le désastre. Alléluia. C'est pour cela que nous voulons encore ce matin écouter lui et lui seul. Alléluia. Moi je vous exhorte, quand vous venez, ne tenez pas compte du vase. Parce que le vase n'est important que par rapport au contenu qui y est. Et d'aller dans une nouvelle narration, il a élevé dans quatre nombres. Que ce matin, que le Seigneur puisse vous parler. Nous parler. Afin que chacun de nous ici présents. Alléluia. Il puisse savoir. À quoi quelle est la rémunération qui est attachée à ton appel. Il faut tenir quand même Alléluia. Que le Seigneur soit exalté. Moi je sens que dans mon cœur, je suis dans la joie. Alléluia. Et je sais que je suis devant ce Dieu-là qui ne ment pas. Lui qui a dit dans sa parole. Il y a deux ou trois sont réunis à mon nom. Je suis au milieu de lui. Je le crois qu'il est là si présent. Mais quand il est là, c'est pour nous parler. Alléluia. Que Dieu nous aide. Là-bas, ton abisso. Que Dieu nous assiste. Là-bas, ton abisso. Si votre pensée est en captivité quelque part, Dieu nous a investi de cette autorité. Nous ayons dit au travers sa parole, nous avons cette capacité de ramener toute pensée captive à l'obéissance à sa parole. Ce matin, reste avec nous. Alléluia. Reste avec nous. Si tes pensées veulent s'échapper quelque part, bien aimé, ramène tes pensées dans la volonté de Dieu. Juste pour 2 heures, vous verrez, quand on va sortir d'ici, que notre Dieu est vrai dans tout ce qu'il a dit. Alléluia. Qui n'a pas de problème? Mais les problèmes justement sont là pour que Dieu puisse recevoir la gloire. Alléluia. Parce qu'en lui, il est imbibé d'attributs. Alors tous ces attributs ne peuvent être déployés que selon le cas dans lequel vous vous trouvez. Nous croyons qu'il guérit. Nous croyons qu'il exauce. Nous croyons qu'il bénit. Alléluia. Croyez-vous que sa grâce nous soit multipliée? Je vais inviter mon frère Adela dans la prédication de la parole. Restez un peu debout. Vous allez vous asseoir pour un moment. Que le Seigneur nous bénisse. Voyons simplement quand il fallait écouter sa parole. Vous avez maillé, vous pouvez vous parler de l'eau. Je suis persuadé que le Seigneur va encore nous bénir. Je vais vous parler de l'eau. Alléluia. Qui te bénisse d'abord. À part mon exode. Regardez là. Le combat est là. Que le Seigneur vous bénisse tous. Faites le coup là pour moi. Nous sommes debout, nous allons lire un passage de l'Écriture. Vous venez de tenir votre totem à l'Ecolimonco dans ma commune. Dans psaume 138. Directement dans l'Ecolimonco, dans la deuxième, au Kama, mon coin, tout ça, tout à l'Ecolimonco. On soit parti du premier verset. Le banda outa de la Nayambo. Je chante louange en présence des dieux. Je me prosterne dans ton saint temple. Et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Amen. Nous allons tous prier après vous.
Dieu bien-aimé Père Céleste, nous avons lu ta parole, sachant qu'elle est la vie. Tu as créé toutes choses par le moyen de ta parole. Quand tu parles, tu réalises aussi ce que tu dis. Puisses-tu encore se révéler à chacun de nous encore ce matin, comme étant le vivant, celui qui accomplit toujours ses promesses. Tu n'es pas un Dieu qui ment. Tu es celui qui tient ses promesses. Révèle-toi chacun pour la gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur bénisse chacun de vous. Une fois de plus, je suis encore heureux d'être parmi vous. C'est vrai, nous sommes séparés plusieurs mois. La vie était dans la chair. Mais en esprit, nous étions toujours ensemble. Que le Seigneur soit loué. Et nous avons déjà chanté de beaux cantiques. Et à l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous venons de lire sa parole. Et une merveilleuse parole. Et de toute façon, chaque parole de Dieu est merveilleuse. Mais le Seigneur se révèle au travers de sa parole. Il nous parle par sa parole. Il nous console par sa parole. Et en bref, Dieu fait toutes choses par le moyen de sa parole. Mais dans ce que nous venons de lire, le Seigneur il se révèle comme étant le Dieu des promesses. Dieu parle. Dieu promet. Mais quand Dieu a promis quelque chose, il tient ses promesses. Dans ce que nous venons de lire, la Bible dit que ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Il est un Dieu infaillible. Comme vous l'avez déjà dit une fois ici, une promesse et la carte. Et la révélation de la volonté de Dieu. Mais ce que Dieu veut faire avec toi, il te la révèle. C'est ça la promesse. Alors cela ne dépend pas de toi. C'est-à-dire l'accomplissement de cette promesse ne dépend pas de toi. Dépend de celui qui a donné la promesse. Mais ce que Dieu attend de nous, nous puissions simplement lui faire confiance. C'est ainsi que tous ceux qui ont expérimenté les promesses de Dieu, ils ont entendu d'abord la promesse et ils ont fait la confiance au Seigneur. Alors Dieu a confirmé la chose. En fait, la foi, c'est la confiance que l'homme a à la promesse que Dieu lui a donnée. Là où il n'y a pas de promesse, il n'y a pas de foi. Amen. La promesse produit la foi. Et la promesse, ça vaut étonnement. Amen. C'est ainsi que nous voyons dans les Saintes Écritures. Nous le témoignage de tous ceux dont la Bible rend témoignage. C'est ceux qui ont expérimenté les promesses de Dieu. La Bible dit, ils ont expérimenté ces promesses uniquement par la foi. C'est-à-dire, ils ont fait confiance au Seigneur. Ils ont reconnu d'abord. C'est lui qui a donné la promesse. Ce n'est pas un homme. Il est le Dieu vivant. Quand il parle, il doit réaliser ce qu'il a dit. Vous savez pourquoi je parle de toutes ces choses? Parce que nous sommes dans les Saintes Écritures. Nous voyons depuis le commencement, Dieu a fait des promesses. Et Dieu a réalisé ses promesses. Mais à ce qui nous concerne, Dieu nous a donné une glorieuse promesse. La plus grande promesse que Dieu nous a donnée, c'est le retour de notre Seigneur Jésus. Tous les vrais croyants bibliques, depuis le temps de Paul, ils ont attendu l'accomplissement de cette promesse. Mais souvenez-vous, Dieu tiendra sa parole. Cette promesse se réalisera certainement. Mais cela se réalisera. Pas à ton temps. Pas à mon temps. Mais au temps de Dieu lui-même. Il y a un temps bien fixé à chaque
parole de Dieu. Habacuc chapitre 2. Habacuc chapitre 2. À partir du premier verset. La Bible dit. J'étais à mon poste. Et je me tenais sur la tour. Je veillais. Pour voir ce que le Seigneur me dirait. Et ce que je répliquerai après ma plainte. Le Seigneur m'adressa la parole et il dit. Écris la prophétie. Grave-la sur des tables. Afin qu'on la lise couramment. Et le verset 3. Car c'est une prophétie. Donc le temps est déjà fixé. C'est Dieu qui fixe le temps pour toute chose. Ce n'est pas un prophète. C'est Dieu lui-même qui a prononcé la parole. Et qui a fixé aussi le temps. Alors la Bible nous dit maintenant. Elle marche. Regardez la prophétie. Elle marche. Amen. Donc elle ne reste pas sur place. C'est quelque chose qui n'est pas stationnaire. Mais elle marche. Mais elle marche vers quoi? La Bible dit elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. Amen. Amen. Elle ne mentira pas. Parce que c'est lui qui l'a prononcé. Il est le Dieu qui ne ment pas. Et sa parole aussi ne ment pas. C'est lui qui croit la parole de Dieu. Il faut qu'il soit sûr et certain. Cet homme-là n'est pas séduit. Il n'est pas séduit. Il ne sera pas déçu. Parce que c'est lui qui parle. Ou plutôt c'est lui qui a parlé. C'est le Dieu du ciel. Il n'a jamais déçu quelqu'un qui a cru à sa parole. Mais la Bible nous dit, cette parole prononcée par Dieu, elle ne reste pas stationnaire. Elle marche. Amen. Mais quand cette parole marche, il y a de quoi beaucoup de donc beaucoup de personnes ne la voient pas. Seulement les élus de Dieu peuvent voir que la parole de Dieu est agitante. Que la parole de Dieu est en train de marcher. Mais elle marche vers son terme. Et la Bible dit, si elle garde, attends là. Vous savez, dans 2 Pierre chapitre 3, la Bible dit, Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Ici, ça nous concerne nous les hommes. C'est nous qui pensons que la promesse de Dieu tarde. Mais Dieu ne tarde pas. Il y a un temps bien fixé. L'action de Dieu se manifeste seulement dans le temps de Dieu. Mais nous pensons que Dieu tarde. Voilà pourquoi les autres personnes nous étonnent. Si tu penses que tarde, quelle est ton attitude? Ne te presse pas. Ne t'agite pas. Sois calme et tranquille. Oh. Ésaïe. Je reviendrai ici. Dans Ésaïe 30. Ésaïe 30, verset 15. Il est écrit. Comment? Car ainsi parle le Seigneur. L'Éternel, le Saint d'Israël. Yahweh, mon Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Ça, c'est la position des élus. Nous ne devons pas être des gens qui s'agitent. Nous ne devons pas nous laisser troubler par quoi que ce soit.
Nous devons savoir le Dieu que nous prions, le Dieu qui nous a adressé une sainte vocation, comme nous l'avons lu dans Éphésiens chapitre 4, il nous a adressé une sainte vocation. Mais quand Dieu appelle un homme, il appelle pour un dessein. Dieu a un dessein. Là, nous le disons toujours, que nous réalisons, nous ne sommes pas le produit d'hasard. Non. Dieu nous a conduits avant la fin du dimanche. Dieu veut réaliser quelque chose avec nous. Dans son plan, nous y trouvons. C'est ainsi qu'il nous a appelés. Le but pour lequel Dieu nous a appelés, Dieu est fidèle. Il atteindra son but avec nous. Mais quant à nous, nous devons être dans cette condition. Nous dans cette condition, c'est dans la tranquillité. Le repos, ça veut dire le repos. Je pense que vous comprenez bien. Le repos, ça veut dire le repos. C'est-à-dire, tu ne fais rien. C'est ça le repos. Quand un homme se dit qu'il se repose, mais en ces temps, il est en train de travailler, il y a quelque chose qui ne va pas. Celui qui est dans le repos, il se repose réellement. Mais comment nous entrons dans le repos? La Bible dit, l'honneur à vous qui croyez. Quand vous croyez les promesses de Dieu, quand vous croyez en Jésus-Christ, vous entrez dans le repos de Dieu. Alors à ce moment-là, vous ne travaillez plus. Dieu travaille à travers vous. Amen. C'est notre position. C'est dans cette position-là que nous retournons dans Habacuc chapitre 2. La Bible dit, si un tard, attends-la. Car elle s'accomplira. Certainement. Notre Seigneur Jésus-Christ reviendra. Amen. C'est une promesse qui est certaine. Même si les gens veulent bien l'ignorer, qui l'ignore, celui qui était d'ignorer la promesse de Dieu, cet homme sera ignoré par Dieu. Mais nous n'ignorons pas les promesses de Dieu. Parce que nous sommes les enfants de la promesse. Le vrai enfant de Dieu, ce sont les enfants de la promesse. Ils croient la parole promise. Ils sont là pour que la parole promise se réalise avec eux. Et ainsi, comme je disais, bien aimé, le Seigneur nous a donné cette glorieuse promesse. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Quand tout sera terminé, je reviendrai. Moi, je suis allé. Il était allé physiquement. Il reviendra aussi physiquement. Nous attendons le retour physique de Jésus-Christ. Amen. Pas une imagination, pas une révélation, mais le même qui est allé vous préparer une place, il reviendra certainement. Dans Actes d'abord, chapitre 1er, Actes chapitre 1, les jours où il fut élevé, à partir du verset 10, la Bible dit, comme ils avaient le regard fixé vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Ces deux hommes, ce sont deux anges. Et le verset 11, et dit, homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Il viendra de la même manière.
Quand il fut élevé, il était là devant eux. Il avait mangé avec eux. Il avait élevé ses mains. Selon Luc, chapitre Luc. Il dit pendant qu'il le bénissait, en élevant ses mains, il fut élevé. Donc ce n'était pas une imagination, une certaine révélation. Non, il était là physiquement devant lui. Il a dit à Thomas, viens, regarde mes mains. Même les marques sont là. Mets ta main sur mon côté. Mais il était là. Mais à ce moment-là, dans son corps, il n'y avait plus du sang. Parce que la Bible dit, la chair et le sang n'hériteront pas le royaume de Dieu. Alléluia. Il était là, dans le corps de la résurrection. C'est le même corps que nous aurons lorsqu'il deviendra. Amen. Ce n'est pas avec cette chair. Non. Cette chair restera. Une chair de corruption. Mais il faut que cette chair, ceux qui seront vivants, il faut que dans cette chair, ils revêtent l'immortalité, l'incorruptibilité. Il faut qu'ils revêtent cela. Amen. Amen. Sans cela, il n'y a pas d'enlèvement. Sans cela, vous ne pouvez pas hériter le royaume de Dieu. Mais souvenez-vous bien, mes frères. Avant que ce corps puisse profiter, il te faut d'abord l'âme soit transformée. Ne peux pas prétendre attendre la transmutation de ton corps et ton âme ne va pas transformer. Voilà pourquoi Dieu envoie sa parole pour que la parole touche l'âme. Le cœur doit être touché. L'âme doit être transformée. Il te faut naître de nouveau. Dans la nouvelle naissance, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu. Dans la nouvelle naissance, vous ne pouvez pas voir le royaume de Dieu. C'est-à-dire, comprendre le royaume de Dieu. Amen. Amen. Donc d'abord, cette œuvre intérieure doit être une réalité. C'est pour ces gens-là que le Seigneur est allé préparer ça. C'est pour eux qu'il reviendra. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous voyons cette promesse. Comme je disais, tout le vrai croyant biblique, dans tous les âges, ils ont cru à cette promesse. Ils ont attendu à cette promesse. Regardez dans 1 Thessaloniciens. Prenons 1 Thessaloniciens. Chapitre 1er. La Bible dit à partir du verset 9. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons auprès de vous. Et comment vous êtes convertis à Dieu. Vous avez dit, vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Regardez, ce sont des convertis. Le Seigneur Jésus disait à Pierre, regardez Pierre, Pierre a marché avec Jésus. Pierre a reçu même le pouvoir de chasser les démons. Mais avant que le Seigneur aille mourir, il dit à Pierre, Pierre, le diable t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Alors je l'ai interdit. Non. Il n'avait pas interdit le diable. Frères et sœurs, ne priez pas. Ne priez pas pour dire au Seigneur, Seigneur, moi je ne veux pas les épreuves. Moi je ne veux pas les souffrances. Moi je ne veux pas les difficultés. Non. Ça fait partie de notre vie. Amen. Le
jamais bien. Il pourrait cribler comme une promesse. Jésus a dit, Pierre, j'ai simplement prié pour toi. Afin que ta foi ne défaille pas. Amen. Et plus tard, il dit, tant tu seras converti, Pierre, donc il faut la conversion. Quand il a reçu le baptême du Saint-Esprit, il a expérimenté sa vraie conversion. Il nous faut l'Esprit de Dieu. Non seulement la parole, il faut l'Esprit de Dieu pour que nous puissions vraiment expérimenter la vraie conversion. Alors, ceux qui sont convertis, c'est eux qui attendent le Seigneur. Vous comprenez? La conversion, c'est changer de direction. J'ai suivi une direction, mais regardez dans cette direction-là. J'allais vers la mort. J'allais vers la mort. J'étais dans un train. Sinon, répétez ce que Dieu. Dans ce train, la destination était la mort. Mais de toi-même, tu ne pouvais pas arrêter les trains. Non. Regardez, tu es dans les trains. Tu ne peux pas arrêter les trains. Il n'y a pas de signal d'alarme. Dans ce train-là, il n'y a pas de signal d'alarme. Non. Quand tu es là-dedans, la destination, c'est la mort. Mais il faut seulement un seul moto, le Seigneur, lui-même, puisse arrêter les trains. Alors pour nous, il a arrêté les trains. Il nous a fait sortir. Alléluia. Alors au lieu de continuer dans la direction de la mort, il nous a montré une autre direction. Et maintenant nous suivons une autre direction. Quelle est cette direction? La gloire. C'est ça la conversion. Ça doit être une réalité. Amen. Ça doit être une réalité. Frères et sœurs, nous nous mettons en doute, nous ne mettons pas en doute le salut de nos âmes. Non. Le salut de nos âmes est une réalité. Le salut, c'est un don que Dieu a donné. Tu n'as rien fait. Dieu, lui-même, par sa grâce, il t'a accordé le salut. Être sauvé, c'est une chose. Mais marcher comme sauvé, c'est aussi une autre chose. Est-ce que vous comprenez bien? Beaucoup, nous, comme je disais, je ne mets pas en doute le salut. Tu es sauvé. Quand un homme est sauvé, il est sauvé éternellement. Dieu ne reviendra pas là-dessus. Mais un homme qui est sauvé, ça se voit dans sa marche. Un sauvé, c'est quelqu'un qui est délivré. C'est quelqu'un qui est libéré de la captivité du péché. C'est quelqu'un qui n'est plus dominé par le péché. C'est quelqu'un qui n'a plus les désirs de péché. C'est ça, être sauvé. Et cela ça se révèle dans sa marche. Bon, je reviendrai pour arrêter ça dans le ciel. Mais regardez ce que je suis en train de dire. On avait lu cela dans Éphésiens avec mon frère. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Il dit à partir du verset 17. Ainsi donc, ce que j'ai dit et ce que je déclare dans le Seigneur, écoutez bien. Vous ne devez plus. Ça nous devons le dire. Avec force. Vous ne devez plus marcher comme le païen. Écoutez bien. Qui marche selon la vanité de leur
pensée. Voilà comment les païens marchent. Mais quand la Bible dit, vous ne devez pas. Mais on parle à qui? On parle à ceux dont la Bible rend témoignage. Dans Éphésiens chapitre 2. Écoutez Éphésiens chapitre 2. On commence à partir du premier verset. Vous étiez mort par vos offenses et par vos péchés. Dans lesquels vous marchiez autrefois. Vous entendez? Vous marchiez autrefois. Selon les trains. Oh, il y a un conducteur dans ces trains. Et dans la Mokumi, selon le prince de la puissance de l'air. Il est le Mokumi. De l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Nous tous aussi, pas d'exception. Nous tous aussi, nous étions de leur nom. Qui peut nier cela? Personne. Nous tous, dans le même sac. La Bible dit, et nous vivions autrefois, selon le convoitise de notre chair, accomplissant les volontés de la chair, et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Voyez, c'est ça ce que l'apôtre Paul a dit. Il dit la main à Éphésiens 2. Dans Éphésiens 4, il dit, vous ne devez plus marcher comme des païens. Vous voyez, comme des païens qui marchent selon la vanité de leur pensée. Je retourne à Éphésiens 2. Il dit au verset 4. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, accorde du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts, par nos offenses, il nous a vivifiés avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Voyez bien le mieux, c'est lui qui a trouvé grâce. C'est celui qui était dans la boue. Il était dans le même sac que tous les autres du monde. Mais la grâce de Dieu est venue vers lui dans cet état-là pour le faire sortir. Amen. Amen. Ça, c'est la grâce. C'est la véritable grâce que nous recevons. Une grâce qui transforme. Une grâce qui change. Amen. Ce n'est pas une grâce qui conduit un homme dans le péché. La vraie grâce enseigne à l'homme à renoncer à l'impiété. Amen. Oh, c'est vrai, hein? Ça, c'est la grâce de Dieu. Dans la bouche, la grâce vient à toi. Et il te fait sortir. Maintenant, il t'a vivifié. Amen. Vous voyez, dans la bouche, tu étais dans la mort. Donc, nous comprenons bien, mes frères et sœurs. Tous ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, son rang social, cet homme, il se trouve dans la mort. Même si on peut dire, il est le président de la République, cet homme est dans la mort. Même si on peut dire, il est le PDG, cet homme est dans la mort. Mais, pour que tu sois vivifié, il faut que la grâce de Dieu vienne. Et la grâce te fait sortir. Quand la grâce t'a fait sortir, là maintenant, et si tu reçois une vie, et une vie différente de celle que tu avais dans la boue. C'est ainsi qu'il a dit dans Éphésiens chapitre 4, il dit, vous ne devez plus marcher. Écoutez le verset 18 dans Éphésiens chapitre 4. Verset 18, il dit, ils ont l'intelligence obscurcie. Vous voyez, les gens de ce monde, même s'ils peuvent prétendre qu'ils sont intelligents, mais le jugement des dieux est différent du jugement du monde. Est différent du jugement des hommes. Quand Dieu le regarde, Dieu leur dit,
pour Dieu, vous êtes une insensé. Votre intelligence est obscurcie. Il faut que ton intelligence soit éclairée. Et ton intelligence doit être éclairée par ta rencontre avec Jésus-Christ. Un homme qui n'a pas encore rencontré Jésus-Christ, il est dans les ténèbres. Et vous le constaterez par cet agissement. Par cet agissement. Ils ont l'intelligence obscurcie. La Bible dit, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Vous voyez, étrangers à la vie de Dieu. Mais qu'est-ce que c'est la vie de Dieu? La Bible dit dans 1 Jean 1er, la vie a été manifestée. Alléluia. Jésus-Christ est la vie. Ça démontre d'être clair. Les hommes ne connaissent pas Jésus-Christ. Celui qui connaît Jésus-Christ, il n'est plus étranger à la vie de Dieu. Il a la vie de Dieu. Parce que Jésus-Christ habite en lui. Amen. C'est pour ces hommes. Et Christ est allé préparer une place. Et il reviendra. Il ne va pas le laisser sur la terre. Il reviendra pour le prendre. Alors je retourne à 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens chapitre 9. Alors chapitre 1. Mais Seigneur, je dois arriver à la dernière partie. Il dit, et comment vous vous êtes converti à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Écoutez bien, pour attendre de Dieu son Fils. Vous voyez, ces hommes sont dans l'attente. Ils attendent que le Seigneur Jésus-Christ revienne. Il dit, pour attendre de Dieu son Fils, il a ressuscité des morts. Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Il revient bientôt. C'est une réalité. Philippiens chapitre 3. Verset 20. Il dit, mais vous, plutôt, mais nous, écoutez bien. Mais nous sommes citoyens des cieux. Nous sommes citoyens des cieux. C'est-à-dire que c'est les citoyens des cieux qui attendent Jésus-Christ. Les autres qui n'attendent pas Jésus-Christ. Si tu es citoyen des cieux, ton attitude doit être l'attitude d'attendre. Mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi. Vous comprenez? Lui, il est céleste, nous aussi nous sommes célestes. Il est dans les cieux, nous aussi nous sommes citoyens des cieux. Alors nous l'attendons. La Bible dit, d'où nous attendons aussi comme sauveur, le Seigneur Jésus. Qui transformera le corps de notre humiliation. Alléluia. Il transformera. Mais avant cela, Romains, chapitre 8, doit être une réalité. Romains 8, le verset 10, il dit, et si Christ est en vous, voyez-vous cela? Écoutez bien. Si Christ est en vous, c'est ça la condition. Si Christ est en vous, le corps, c'est comme là qui va être transformé là. Le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. Le verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, vous voyez, dans Philippiens chapitre 3, verset 21, pour que ça soit une réalité en toi, il te faut d'abord Romains 8, le verset 10 et 11. Si Christ est en vous, et le verset 11, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts
habite en vous. Écoutez bien maintenant. C'est lui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, rendra aussi la vie à vos corps mortels, à son esprit qui habite en vous. Amen. Donc la transmission de notre corps commence d'abord. Il y a l'esprit qui transforme d'abord. L'esprit habite en toi. Et donc l'esprit qui habite en toi, c'est une puissance. Cette puissance, écoutez ce que cette puissance fait. Cette puissance-là te fera soumettre à la parole de Dieu. Amen. Oh, ça c'est bien. C'est vrai, bien aimé, frère. L'esprit de Christ doit être en toi. Et cet esprit en toi, pendant que tu es vivant dans la terre, pendant que tu marches là, ce n'est pas dans les cieux. Non. Pendant que tu es dans la terre, l'esprit de Christ en toi fait soumettre ton corps. Vous voyez ce corps du péché là, qui veut toujours aller vers le péché. Alors l'esprit en toi fait soumettre. Alors c'est pas toi qui l'as fait. C'est pas toi. Il faut que lui, il faut que Christ habite en toi. Il faut que cette puissance, la puissance de la résurrection, doit habiter en nous. Cette puissance là doit agir maintenant. Regarde, le futur dépend même du temps présent. C'est-à-dire, regarde, est-ce que l'Esprit de Christ habite en moi? Est-ce que solo, mon corps là, mon corps est soumis à la parole? Il faut que ce corps soit soumis à la parole. Mais comment? Par l'Esprit. Et celui qui a ressuscité Jésus dans le mort. Mais comment l'Esprit vient? Comment cet Esprit vient venir en moi? Éphésiens. Je suis tout dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 1. La Bible dit, à partir du verset 11, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant les plans de celui qui opère toutes choses, d'après les conseils de sa volonté. Écoutez bien, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ, en lui, vous aussi, écoutez bien, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que c'est l'évangile? L'évangile, c'est la puissance de Dieu. C'est ça l'évangile. Après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, la Bible dit, en lui, vous avez cru. Croyez-vous à l'évangile? Mais qu'est-ce que c'est l'évangile? Mais Christ est mort pour vos péchés. Il est ressuscité d'entre les morts pour votre justification. Croyez-vous cela? Pas simplement il est ressuscité pour votre justification. Il est allé nous préparer une place et il reviendra. Alors si vous croyez cet évangile là, écoutez bien, la Bible dit, vous avez cru en lui, à cet évangile, et vous avez été scellé du Saint-Esprit qui avait été promis. Alléluia. On vous sert. Vous savez qu'est-ce qu'on sait? On ne peut pas sceller quelque chose de vide. On scelle le contenu précieux. Alléluia. Il faut sceller ce qui est précieux. Pour qu'on puisse pas le toucher. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Dieu scelle sa parole en toi. La parole de Dieu. C'est une richesse la plus précieuse que Dieu peut te l'accorder. Quand tu reçois la parole, j'insiste bien, la parole de Dieu.
Dieu. Dieu va nous amener. La parole de la vérité. Mais qu'est-ce que c'est la parole? Christ est la parole. Christ en toi. Regarde ce que Dieu sait. Dieu sait Christ dans mon cœur. Amen. Amen. Alors c'est fini. Quelque chose qui est serré. Et nous, on ne peut plus briser les os. C'est fini. Et si, ta destination est déjà montrée. Tu es destiné pour la même chose. Alléluia. Amen. Mais, Kasi, écoutez bien. Bon, camarade, le verset 14. Vous lequel Oyo. Est un gage vous avez de notre héritage. Amen. Regardez, Amen. Dieu nous donne un attente. Vous voyez, Amen. Le gage est un attente. Pour vous assurer, tout ce que j'ai promis, tout est déjà accompli, tout est déjà fait. Alors la preuve, c'est toi, les candidats des choses, je te donne un attente. L'Esprit de Christ, la vie de Jésus en toi. Et cette vie maintenant en toi. J'insiste bien bien. Ce n'est pas toi. Mais cette vie en toi. Fais soumettre ton corps. Corps là. Qui est le corps du péché. Vous voyez bien aimé. Le corps. Qui est tout, qui aime toujours le mal. Mais l'Esprit de Christ en toi. Fais soumettre ce corps. À la parole. Alors, quand déjà sur cette terre, tu constates que ton corps est soumis à la parole, la chérie, quand Christ reviendra, tes morts seront transmises. Quand c'est là, c'est de l'imagination. Beaucoup sont dans l'imagination. Ils ont des espérances trop peuples. Père, que Dieu nous fasse grâce. C'est fini le temps de jouer. C'est fini le temps de jouer. C'est le temps d'expérimenter Dieu. Dieu est une réalité. Ta parole est une réalité. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Il est vivant. Alléluia. La même grâce qui avait sauvé Paul. Je dis la même. La même grâce qui avait sauvé Saul d'État. Vous vous rappelez de Saul d'État. La Bible dit, il était un homme violent. Un homme violent. Peut-être qu'il y a des hommes violents ici. Mais ne vous inquiétez pas. Si tu crois Jésus, la même grâce qui avait sauvé Paul, qui avait sauvé Saul d'État, elle est encore la même. Aujourd'hui, tu es violent, tu es vivant. Mais regardez la grâce que nous prêchons. Nous avons des exemples dans les Saintes Écritures. Cette grâce, prends un homme violent. Prends un homme qui respirait la crainte par ses agissements. Le croyant en Jésus-Christ, les disciples de Jésus, quand ils entendaient parler des sauts d'État, ils craignaient. Ils disaient, cet homme-là, il est en train de faire du mal. Cet homme, il est en train de faire du mal. Le Seigneur parle à Anania, disciple de Jésus. Le Seigneur lui dit, va voir son état. Quand il a entendu ça, il dit, mais Seigneur, c'est pas possible. Cet homme-là, nous avons appris tout ce qu'il a fait à Kessin. Alors, tu m'en crois encore faire cet homme. Est-ce que vous attendez? Regardez la démonstration de la grâce de Dieu. Dieu dit, Anania, va voir son état. Anania, ayant le témoignage de son état, ce n'est pas possible. Il fait du mal. Vous entendez? Il fait du mal à des saints. Je ne peux pas aller là. Le Seigneur lui dit, Anania, cet homme-là est un instrument. Cet homme-là, je l'ai choisi. C'est un élu. C'est mon instrument. Il propagera ma parole. Vas-y.
Ananias est allé. Ananias est d'accord. Il a trouvé son état. Quand il a vu, regardez, Anania, auparavant, il avait une crainte de son état. Mais quand il a reçu la révélation, qui était en vous, Anania n'avait plus de crainte. Alléluia. Bien aimé, frère et sœur, nous ne devons plus nous connaître selon la chair. Nous devons avoir la révélation. Et ce que nous sommes des hommes de Dieu. Quand tu connais ton frère, tout le sang de Jésus, tu les verras. Tu patienteras ton regard. Oh, on l'avait vu ici. On l'avait dit dans Éphésiens chapitre 4. Soyez patient. Soyez patient. Amen. Nous devons être patients envers Dieu. Quand Dieu promet, attends. C'est la patience. Ce n'est pas simplement envers Dieu, mais aussi envers ton frère, envers ta soeur. Il faut être patient. Si toi, maintenant, tu as expérimenté la grâce de Dieu, crois aussi. Ton frère qui est à côté, au temps de Dieu, il expérimentera la même chose. Alors pour cela, sois patient. Alléluia dit. Viens aller voir sur les terrasses. À ce moment-là, ayant reçu la révélation de qui est sur les terrasses. Alors à ce moment-là, il ne voyait plus sur les terrasses. Tout le monde qui le voyait. La vision des choses a changé. Quand il est arrivé devant son état, regardez, il appelait cet homme. En quelque sorte, c'est un homme violent. C'est un rebelle. N'importe quel nom on pouvait lui donner. Mais c'est tout là. Il a vu Ananias. Mon frère. Il a fait mon vrai. Il a compris qu'il était l'un d'eux. Mais regardez, qu'est-ce qui a fait? De cet homme violent qu'il devient un homme tout. C'est quoi? La grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est une puissance qui transforme. Tu es capable de transformer. Tu es capable de faire une femme qui est prostituée. Moi, tu vois, dans une tumba, de faire d'elle une véritable père. C'est une réalité. Souvenez-vous de la femme samaritaine. Avez-vous déjà lu dans les Saintes Écritures où on parle encore cette femme prostituée? Elle était encore allée se prostituer. Elle s'est prostituée avant qu'elle raconte la grâce. Mais quand elle a raconté la grâce, qui est la grâce? Jésus-Christ. La grâce l'a transformée. Oh, mon Dieu. La grâce l'a fait sortir de la boue. Elle l'a élevée. Juste à la position. Il y a un pasteur. Il y a un pasteur? Non. La meilleure position que Dieu nous a donnée, ce n'est pas la position de prédicateur. Non. La meilleure position, c'est la position de fils et de filles. Ça, c'est la position que Dieu nous a donnée. Amen. Alors, la grâce est d'aller chercher cette femme prostituée, l'a élevée, l'a fait sortir de la boue, et l'a élevée à la position de véritable fille de Dieu. Et à ce moment-là, sa beauté. Je ne parle pas de la beauté extérieure. Non, c'est que Dieu, la beauté que Dieu veut pour vous, mes soeurs, ce n'est pas la beauté extérieure. Non, c'est la beauté intérieure. Cherchez cette beauté-là. Si vous voulez paraître, oui, je vais le dire quand même. Si vous voulez paraître, ne cherchez pas. C'est par l'extérieur. Non, qui consiste dans le statut compliqué, des maquillages, des bisous. Je
ne dis pas il ne faut pas. Mais je dis ceci. Ne cherchez pas. Ne cherchez pas à vous paraître d'une manière extérieure. Avec des cheveux de plus compliqués. Mais si vous ne recherchez à vous paraître, cherchez la parure intérieure. C'est une parure qui est cachée. Mais qui se révèle dans un vrai caractère. Une véritable fille de Dieu. Mais nous cherchons cette parure intérieure. Mais qu'est-ce qui fait la beauté d'un homme? Qu'est-ce qui fait la beauté d'un homme? Mais c'est quand Christ habite en toi. C'est ça la beauté. Ceux qui veulent se marier, il faut qu'ils sachent. Je pense que tous sont mariés ici. Alors, ceux qui ne sont pas mariés, la Bible dit. La grâce, c'est-à-dire ce qui est sérieux, est trompeuse. Est trompeuse. Mais cherchez ce qui est à l'intérieur. Amen. Mais qu'est-ce qui est à l'intérieur? Si Christ habite en vous, regardez si Christ est dans le frère. Regardez si Christ est dans la sœur. C'est ça la beauté que tu dois chercher. Amen. Gloire soit à l'honneur de notre Dieu. Mais le temps est venu, frère, que nous devons expérimenter ces dieux. Nous devons le connaître et c'est mieux éveillé, dans sa puissance de résurrection. Non, vous avez, c'est quoi? Une puissance qui transforme, vous avez, bon, qui fait de toi ça, un non-pécheur et qui te transforme, bon, bon, que tu deviens fils et une fille de Dieu. Bon, 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 un homme violent, un homme qui aimait le monde, bon, mais touché par la grâce de Dieu. Bon, alors qu'est-ce qui se passe en toi? Bon, la haine du monde entre en toi. Vous débaillez le monde. Amen. Il faut que cette haine soit en toi. Amen. Mais cette haine peut venir quand Christ habite en toi. Amen. Alors à ce moment-là, tu vas détester le monde. Tu vas rejeter le monde. Tu vas tout renoncer. Uniquement pour gagner Christ. Amen. 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 Alors bien-aimés frères et sœurs, je vous remercie de me faire passer. Dans 1 Jean, nous qui attendons Jésus-Christ, 1 Jean chapitre 1er, la Bible dit, à partir du 1er verset, 1 Jean chapitre 1er, il dit, ce qui était de le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de Dieu. Et la vie a été manifestée. Nous l'avons vu et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès des pères et qui nous a été manifestée. Regardez ce que les apôtres ont prêché. Ils ont prêché la vie éternelle. Cette vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Il dit au verset 3, ce que nous avons vu et nous avons entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi. Écoutez bien, à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Et le mot de l'Église, cela ne va pas s'arrêter là. Il y a beaucoup de gens qui sont là. Beaucoup ils s'arrêtent là. Ils veulent simplement être en relation avec le pasteur. Ils ont une bonne relation avec l'ancien. Mais si ils ne connaissent pas Jésus-Christ. Ces hommes qui vous annoncent la parole, ils sont que des indicateurs. Ils sont là pour vous montrer le chemin. Ils ne sont pas le chemin. Non. Ils ne sont pas le chemin. Le chemin, c'est Jésus-Christ. Ils ne sont pas la vie. La vie, c'est Jésus-Christ.
Ils ne sont pas la lumière, c'est-à-dire la grande lumière. La grande lumière, c'est Jésus-Christ. Mais par le moyen de la prédication de la foi. Regardez ce que ces hommes veulent. Va pour que vous arrêtez à eux. Non. La prédication de l'évangile ou de la parole, c'est pour amener l'homme à être en communion avec son Dieu. Pas avec le pasteur. Pas avec l'ancien. Ni peut-être avec le diable. Non. Il faut dépasser. Il faut que vous ayez une vraie relation avec Jésus-Christ. C'est ainsi que nous voyons cela. La communauté de cela. Il dit, oh! Notre communion est avec le Père et avec son Fils. Vous voyez, si vous recevez la parole qui est prêchée, comme les apôtres qui avaient été prêchés, cette parole-là vous fait entrer en communion avec le Père et avec son Fils. C'est le temps dans lequel nous sommes entrés. Vous savez, frères et sœurs, avant la première venue de notre Seigneur, parce que nous attendons la seconde venue de Jésus. Mais avant la première venue de Jésus, qu'est-ce qui s'était passé? Actes des apôtres, chapitre 5. Actes des apôtres, chapitre 5. La Bible dit. À partir du verset 33. Voilà, le souverain sacrificateur, le chef religieux plutôt. Ils étaient furieux de voir tout ce que les apôtres accomplissaient par la puissance de Jésus-Christ. Alors, verset 33. La Bible dit, furieux de ses paroles, il voulait le faire mourir. Mais un pharisien, nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, s'éleva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Verset 35. Oui, il leur dit, homme Israël, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Écoutez le verset 36. Car, il n'y a pas longtemps qu'est paru Tédas. Écoutez bien. Paru Tédas. Qui s'est donné pour quelqu'un. C'est-à-dire, Tédas, il se disait être le Christ. Mais il fut apparu avant le vrai Christ. Tédas, qui se croyait être quelqu'un. Écoutez bien. Auquel se rallièrent environ 400 hommes. Écoutez bien. Les 400 personnes se sont ralliées à Tédas. Vous voyez, une vraie communion avec Tédas. Une vraie relation avec Tédas. Mais regardez, écoutez, cet homme-là, il se disait lui-même. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit. Il fut tué. Tédas fut tué. Tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Vous voyez, frère et soeur, ça arrive à tout le temps. Ceux qui s'attachent aux hommes, ils seront déçus. L'œuvre de l'homme, ça va s'arrêter. Quelle qu'elle ait commencé, elle s'arrêtera de la même manière. Amen. Mais nous devons aller plus loin. Continuons à lire. La Bible dit, après lui, parut Judas le Galiléen. C'est une vraie séduction. Oh, une vraie séduction. Il peut se mener à solo. Pour
Pourquoi? Parce que l'Écriture disait, mais dans Esaïe chapitre 11, le Messie, qui sera appelé Galiléen. Vous voyez? Oumoni. Et dans ce contrat-là de Galilée, Judas, le Galiléen. Écoutez bien. Ce qui est curieux, quand est-ce qu'il est apparu, la Bible dit, à l'époque du recensement. Vous vous rappelez du recensement? On s'est dit, retournez dans vos villages natals. À ce moment-là, Marie était enceinte. Le Messie devait naître. Mais avant que le Messie naître, le Messie a beau est apparu. Pourquoi Judas, le Galiléen, une vraie séduction. C'est lui qui ne comprend pas les choses. Mais il va totalement à tout bien à Judas. Tous les attributs du Messie. Le Messie est le vrai Messie. Alors qu'est-ce que Judas a fait? Écoutez bien. La Bible dit. Et il attira du monde à son parti. À son parti. Parmi nous, il ne faut pas qu'il y ait des clans. Parmi nous, il ne faut pas qu'il y ait des partis. Non, moi je suis avec elle. Ça ne doit pas exister parmi nous. Ça, c'est même le signe des dénominations. Moi avec tel frère, moi avec tel frère, c'est ainsi que Paul dit au Corinthien, il dit, mais vous êtes encore des enfants, vous êtes encore des enfants, bana. Pourquoi vous vous réclamez, moi je suis d'Apollo, moi je suis des Paul, moi je suis des Céphale, mais tous ceux-là, mais ne sont pas des serviteurs, mais ils vous ont simplement prêché Christ, Paul n'est pas mort beaucoup, Pierre n'est pas mort beaucoup, je dis encore plus loin, et nous dit qu'il n'est pas mort pour vous. Non. Vous devez vous attacher. C'est lui qui est mort pour vous. C'est-à-dire la Jésus-Christ. Mais ces hommes sont les hommes de Dieu. Amen. Ils ont quand même du respect. Ils portent du respect. Mais la relation que Dieu veut que nous ayons. Pas avec l'homme. Non. Mais avec lui-même. Avec Jésus-Christ. Alors la Bible dit. Je reprends le verset 37. Après lui, par lui Judas le Galiléen. À l'époque du recensement. Il attira du monde à son parti. La Bible dit. Il périt aussi. Il périt. L'œuvre de l'homme. L'œuvre de l'homme. Il périt. La suite, c'est quoi? Et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Ce qui était arrivé avant la première venue de notre Seigneur Jésus-Christ reviendra de la même manière avant sa seconde venue. Frères et sœurs, c'est l'esprit de cet âge. Les gens veulent bien être en communion avec les pasteurs. Les gens veulent bien être en communion avec le prédicateur. Mais nous devons dépasser ces choses. Nous devons avoir une vraie relation avec Jésus-Christ. Seul Jésus-Christ est la vie. Amen. Voilà pourquoi je termine par ces passages. Je termine par Actes d'Apôtre chapitre 17. Actes d'Apôtre chapitre 17. La Bible dit. Actes d'Apôtre chapitre 17. La Bible dit. Nous commençons à partir du verset 23. Car en parcourant votre vie, et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu.
Ce que vous reverrez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Écoutez maintenant ce que nous vous annonçons. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve étant le Seigneur du ciel et de la terre n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Quel est le temple de Dieu? La Bible dit nous sommes le temple de Dieu. C'est là que Dieu veut habiter en nous. Le verset 25. Il n'est point servi par de mains humaines. Vous comprenez bien les mains? Il se sert des hommes. Lui, il se sert des hommes. Mais il n'est pas servi par de mains humaines. Comme s'ils avaient besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne, écoutez bien. Lui qui donne la vie. Pardon, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes ces choses. Alors moi je parlais avec mes frères. Dernièrement, c'était dimanche passé. Ah voici. Disais bien mes frères. Le domaine réservé de Dieu. C'est de donner la vie. Dieu seul peut donner la vie. Ça, c'est son domaine réservé. Il n'a pas légué la chose à quelqu'un d'autre. Si vous voulez avoir la vie, il faut que vous veniez à lui. Pas à quelqu'un. Il est le seul qui donne la vie. Regardez ici la Bible. Il donne la vie à tous. Même aux méchants. Même à ceux qui font du mal. Il dit la respiration et toutes ces choses. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitant sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et le bord de leur demeure. Il n'y a pas de différence parmi les croyants. Il n'y a pas de différence. Nous sommes tous sortis d'un seul sang. Nous venons tous d'Adam. Mais en étant de nouveau, nous venons tous de Christ. Amen. Voilà pourquoi il n'y a pas de différence entre nous. Apocalypse chapitre 5, la Bible dit, il a racheté. Il a racheté. Dans toutes les nations. Toutes les nations. Bateau. Il n'y a pas de différence. Bon, c'est les je vais prendre un verset qui m'intéresse. Et ça va vraiment nous aider aussi. Je vais sauter directement. Non, lisons quand même le verset 27. Dieu là, il a voulu que les hommes le cherchent et qu'ils s'efforcent de le trouver. En t'attendant. Vous voyez, c'est Dieu qui a permis cela. Vous le cherchez en t'attendant. Si vous regardez votre parcours, frères et sœurs, tous nous venons d'une dénomination et autre. On était dans une dénomination, on croyait trouver Dieu. On était dans une église, on croyait trouver Dieu. On était quelque part, on croyait trouver Dieu. Tout cela, c'est Dieu qui a fait. Il a permis que tu le cherches à tâtonnant. Vous voyez, il faut que. Quand vous le cherchez à tâtonnant, vous les trouvez. Nous l'avons raconté. Je les connais. Dans sa puissance de l'esprit. Vous aussi, vous devez les connaître. Dans sa puissance de l'esprit. Alors la Bible dit, je sors directement au verset 29. La Bible dit, ainsi donc, étant de la race des dieux, nous sommes
sont de la race des pays. Oh, oh. Les gens du monde disent qu'il y a la race noire, il y a la race blanche, il y a la race jaune, il y a des rouges. Mais nous nous disons, nous sommes de ta race. Mais qu'est-ce que c'est la race de Dieu? La race de Dieu, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Si tu es en Christ Jésus, tu es de la race de Dieu. Alors, tu es de quelle couleur maintenant? Tu es de quelle couleur? Quand un homme est de la race de Dieu, ce n'est plus question de couleur. C'est une question de la vie qui est en toi. La vie qui est en toi. C'est la vie de Jésus. Et il dit au verset 30. Il dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance. Vous entendez? Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance. Mettez cela en relation avec ce qu'on avait lu dans Éphésiens chapitre 4. On était dans un temps d'ignorance. Et dans ce temps d'ignorance, on était comment? On marchait comme des païens. Alors, examinez-vous maintenant. Le temps d'ignorance est terminé. Ou vous êtes toujours dans l'ignorance? Parce que dans le temps d'ignorance, on agissait comme les païens. Mais, comme on a connu Christ, c'est fini le temps d'ignorance. Écoutez la Bible dit, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Écoutez bien. Annonce maintenant. À tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. C'est que Dieu annonce. Dans n'importe quel état tu te trouves, Dieu t'appelle à te repentir. Dieu t'appelle à venir à Jésus. Pourquoi? Parce que le verset 31 sera une réalité. Il dit, parce qu'il a fixé un jour. Dieu a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Frères et sœurs, Dieu jugera le monde. Nous, nous croyons en Christ et Jésus. Regardez, frère. Regardez le plafond. La Bible dit, il jugera le monde par la justice, par l'homme qu'il a désigné. Il y a un homme que Dieu a désigné qui va juger. Qui est cet homme? C'est Jésus-Christ. Vous voyez? Continuons pour terminer. Il a désigné. C'est donc il a donné à tous. Une preuve certaine en le ressuscitant de mort. Vous voyez la résurrection de mort de Jésus-Christ. Dans le mort de Jésus-Christ. C'est une preuve que Dieu l'a agréé. C'est une preuve. Cet homme-là, Jésus. Cet homme-là, Jésus, est établi. Il est établi. En mettant le juge. C'est lui qui va juger. Jésus, il est établi. En mettant l'avocat. Jésus, il est établi. En mettant l'intercesseur. Alors, si Jésus-Christ, il n'est pas encore ton avocat, sache-le. En tant que juge, il va te condamner. Le jour du jugement, il n'y a pas de grâce. C'est fini la grâce. La grâce est maintenant. Amen. Voilà pourquoi, ce matin, le Seigneur nous appelle. Il dit, si tu ne connais pas encore Christ, si tu n'as pas encore expérimenté, le temps est encore là. Viens à Jésus. Frères et sœurs, ne regarde pas le nombre d'années que tu as déjà fait dans la parole. Ça ne compte pas de moi. Non. As-tu ou connais-tu Jésus-Christ? Jésus-Christ. Habites-tu en toi? Jésus-Christ. Il est ton avocat. Jésus-Christ. Il est ton intercesseur. S'il n'est pas, le temps est encore. Amen. Le temps des grâces est passé.
il nous appelle. Il dit, venez à moi. Pour tout ce qui est fatigué. Amen. Vous qui connaissez déjà Jésus. Donc Jésus-Christ est déjà votre avocat. Votre intercesseur. Souvenez-vous. Il est aussi votre souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur, il compatit à vos faiblesses. Le souverain sacrificateur, il pourvoit à tous vos peines. Donc, la paix de ce matin, ceux qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ, j'insiste bien, mon frère, ma soeur, ne regarde pas, ne dis pas. Moi, j'ai connu la parole. Il ne s'agit pas de connaître la parole. La vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Si tu ne connais pas encore Jésus-Christ, personnellement, il t'appelle encore. Il est prêt à t'assister et à te conduire. Sommes d'accord à cela. Le Seigneur bénisse tous. Demandez-le, frère.